Salut à tous, c'est Manor Pingo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Starfield. Donc en New Game Plus du coup, on est dans le nouvel univers, on va voir du coup ce qu'il a à nous proposer. Est-ce que par exemple à Paula, on peut leur dire directement que c'est Ron Hop le méchant, lui mettre une petite balle et repartir? Ça serait cool. Et la respiration, c'est revenu à la normale. On va aller voir ça, on va voir ce que va nous dire le... Les autres, quoi. Est-ce qu'il faut tout refaire normalement? C'est pas intéressant, quoi. Besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Ah, tu l'as déjà dit deux fois. Oh, si le Marshal vous a dit de venir me voir, je vais vous faire le topo, histoire que vous sachiez. La Pola assure la protection. Bon, là, on sait. Ok, on sait. Mais est-ce... J'imagine que vous... Astrien. Vous avez voilà. Fait votre voix, hein? Bien, ça nous fera... Parlons de moi, maintenant. C'est moi qui vérifie que ceux qui... Cela étant dit, vous ne seriez pas là si le Marshal ne pensait pas... Ok. Alors, vous en dites quoi, pour vous? Oui, on va la rejoindre. Avant de vous... Vous nous avez... Tenez, utilisez le terminal d'émission et prenez un des boulots, n'importe... Revenez en un seul morceau. Allez-y alors, le crime n'attend pas. Bon, ok, on peut skipper des dialogues. Bah, on était là pour faire des messages de prime, donc en vrai, ça me va très bien. On va aller vers ça, vu que ça donne plus de thunes et surtout plus d'XP. Et comme on n'a pas de compagnons pour l'instant, compliqué. D'ailleurs, est-ce que je peux mettre des compagnons en vrai dans mon vaisseau? Est-ce que j'en ai ou pas pour l'instant? Non, les autres n'ont pas encore des compagnons. Hein. C'est un peu terrible. Hein. Écoute ce qui... Ouais, on va peut-être augmenter un peu le truc. Cross farmer, ça va augmenter vite fait la balistique. On aura un peu plus de dégâts avec les armes balistiques. Finalement, on va en avoir besoin vu que, bah... Comment dire, les ennemis sont un peu costauds en vrai. Dis, t'as l'impression qu'il a construit la Confédération Liberastra à lui tout seul. Donc allez, on va pouvoir voir ça. On n'a pas énormément de balles, hein. Micro-gun, ah oui. Hop, on va reprendre ça. Soit on va farmer les artefacts, soit on fait la petite mission. Je pense qu'on va faire la petite mission. En fait, on va faire les deux. On va faire le tour des artefacts, vu que maintenant on est armé. C'était un bon début, parce que c'était le problème de du truc d'avant. C'est qu'on n'était pas armé. On a aussi qu'on récupère tous les pouvoirs. Cockpit. Est-ce qu'on peut avoir des copains dans ce vaisseau-là? Ce serait cool. C'est vrai qu'il faudrait les mettre où aussi? Après... J'ai une petite idée, est-ce qu'on peut récupérer les pièces du vaisseau astrien pour les mettre sur d'autres vaisseaux? Parce qu'un cockpit comme ça, on peut facilement faire le vaisseau de Star Trek, vu que c'est à peu près le même cockpit. Même forme, je veux dire du moins. Donc, voilà. Pouvoir à trouver. On a tous les artefacts. Bon, en vrai, on va faire la cible. Et après on fera... Mince. On fera les artefacts, hein, on va pas trop se embêter non plus. À voir ce qu'il y a à nous dire dans la nouvelle quête du New Game Plus. Que du coup on a combattu l'Astrien parce qu'il a récupéré l'artefact et on fait exactement la même. Donc c'est pas un peu hypocrite mais quand même quoi. Labo. Labo, hop, atterrir. On va essayer de faire ça vite fait.
Hop, quitter, on va aller faire une fait la petite quête. Donc cette vidéo, normalement, elle sortira le 31 octobre. Et ils ont envie de faire un jeu un peu d'horreur à côté aussi, en plus, pour bah, du coup fêter le 31 Halloween. Donc je vais voir ce que je vais faire, voir ce que je peux trouver en fait comme jeu d'horreur. A la base, Phasmo était prévu avec un pote, sauf qu'il n'est pas sorti sur Xbox. On va me rejoindre. Tant pis. Donc j'essaie de voir ce que je peux trouver. Peut-être Metro, qui est un jeu, on va dire, un peu post-apo, un peu horreur. Même si bon, c'est pas du tout horreur en tant que tel. Jeu psychologique, mais bon. Donc peut-être Metro 2033, sortir en deux vidéos, le 31 et le premier peut-être. Ou un peu plus, vu qu'il dure pas longtemps, il dure une huitaine d'heures. Donc pourquoi pas, je verrai bien. Allez, c'est marrant comment je rentre moi. Voilà là-bas. Il y a des niveaux 2 et niveau 70 aussi. Il revient là, hop. Hors de là, t'es où? On va est reparti comme au début, du coup on récupère tout, on voit ce qu'on peut. Je sais pas si je vais m'attarder à refaire des avant-postes. Hein. Je ne crois pas. Hein. Je vais acheter hein, directement les trucs hein, qui me manquent. Hein. En marchant, je vais voir hein, et je vais pas refaire tout comme on avait fait. Hein. Un peu dommage d'ailleurs d'essayer de consacrer un peu à temps à ça quoi. Si bien en live que autre, pour finalement pas grand chose vu qu'on les perd. Bon y'a la labourine hein, de toute façon. Et ça pour économiser les munes, hein, parce que vraiment on en a pas énorme encore. Ouais. Il y en avait un là. Ah bah ils ont dû m'entendre, c'est tout quoi. Tac tac tac, y a pas grand chose hein. Ce qu'on peut faire de l'ordi, mais je vois pas trop. Ok, bon, c'est des communications, on s'en fout. Mais on passe par où là pour aller là-bas? Voilà. Déchireur élémentaire, enfin ouais. En légendaire. Voyons voir. Quel dégât tu fais?
12. Waouh, mais sérieux? On va réessayer avec un vol de Médoc, donc ça peut être utile pour récupérer l'équipe de soins, mais ouais, non, ça va pas, hein. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc là, hop, c'est plié, quoi. Aucun aligneur. Il me faut la clé. La clé du labo. Ah, dommage. Bon, on est reparti pour un tour. Il m'a déchiré. Bon, la lame c'est cool, mais en fait on va tirer. On va tirer, on va pas s'embêter. Hein. L'or. J'ai pas eu mon arme légendaire cette fois-ci. Ouais, c'est un côté mieux qu'une arme balistique, oui. Ah, ça y prend. Alors, instruction de Delgado. Ah là là. Et même du coup, pour le trésor de Krix, on peut directement lui dire, il est dans ce vaisseau-là, qui est à cet endroit-là, et voilà, normalement.
Est-ce que ça passe? Oui, voilà, ça passe. Bon, on n'a pas eu le gros loot, hein. Tous les coups, il devait... Vu que j'ai pas trouvé la clé. Boah, Osef. Osef complet. Encore des pirates, c'est pas grave. Nous on s'en va. Hop. Et du coup, on va où? On va faire les artefacts, ce sera plus simple. Les pouvoirs aussi. Ah bah en plus on y est. Ok. Bah on ira, si on sait où c'est. Je crois que c'est pas la première fois qu'on l'entend, on l'avait aussi entendu ce truc là dans la partie d'avant, mais on l'avait complètement zappé. On le voit, c'est bon, il y a le bas. Allez, c'est reparti pour la tour. Ouais. Bah vraiment, je suis un peu... Bah, je sais pas trop quoi en penser du No Game Plus, en fait. Déjà, il nous retire tout, c'est moyen. Vraiment, un No Game Plus, tu laisses au moins les armes, un truc comme ça. Une... Peut-être les compagnons qui tu les enlèves, mais même non, normalement, le compagnon, il a dû venir avec. Même niveau XP, c'est pas terrible. Vous voyez qu'on se bat encore contre des mecs niveau 1. De temps en temps, on a un mec qui est plus fort que les autres, 75, alors qu'il devrait pas être là. Et voilà quoi. Waouh! C'est un peu terrible. Je me demande quel pouvoir on aura ici. Ok. Allez, vas-y, avance.
Alors, état un peu fastidieux quand même, hein. Oh, parallèle 2. Des versions 2 des pouvoirs ? Ok. Un clone. Allez hop. La suite. On va rush un petit peu. Tac, pouvoir sur Wazaki. Wazaki. Hop. Ouais, ok, donc M, anomalie scanner, atterrir. On va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Hop, 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 c'est par où? C'est par là-bas, on le voit, ok. Non, sinon c'est pas le pouvoir que je voulais utiliser. Alors, temple en découvert, il n'y en a que 3 que j'ai pas trouvé. Après, peut-être qu'il faut faire plusieurs univers pour récupérer tous les pouvoirs, mais moi ça me paraîtrait un peu bizarre. De l'argent ici. Le temple Alpha. Alors. En haut, en bas, à gauche, encore à gauche, et voilà, j'étais plus rapide que l'autre.
Ouais, il est très à toi, oui. Et voilà que j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. On est combien là-dedans? 70. Ouais, bah en fait j'aurais pu me taper directement, mais on va où? On se tombe là, c'est pas la peine. Elle. Voir sur Ouréa. Ah, j'ai même pas fait gaffe, c'est quoi le pouvoir qu'on a eu? Ok, prémonition, créature, en gravité déphasée. Atmosphère privée 2. Ok, bon, j'ai eu le niveau 2. Quel pouvoir sur Dionysos, encore un nouveau pouvoir, quoi. Bref. On va récupérer les deux pouvoirs là et. On va commencer à faire un truc. Du coup, je vois pas ce qui fait de plus en fait le pouvoir au niveau 2 parce que. Ah, en fait. Moi qui tire plus longtemps, je vois pas trop en fait. Du coup, restaurer l'O2, ok, mais. De toute façon, on le restaurait déjà au max, donc c'est pas grave. On va essayer, on va se mettre full CO2. Et on va voir. Ouais, ça dure aussi longtemps pour l'instant. Ouais, y a pas vraiment de différence en fait. On a eu celui-là et il y a le niveau 2 tout pourri en fait. Ah non, je suis pris dedans, je suis coincé dedans. Hop.
Et je vais me faire emporter. J'ai eu quoi du coup? Antigravité 2. Ah ouais. Ça part vite hein. Les balles partent très très vite. Et enfin, le deuxième, est-ce qu'il est... On a encore eu un pouvoir sur Dionysos, on va mettre le cap. Vu que le pouvoir de duplication de soi-même, on pouvait pas l'avoir vu qu'on l'avait donné à Barret, j'y pense, la dernière fois. Quoi ? Quatrième pouvoir du coup. Quatre pouvoirs en 10 minutes. Bon. En 10 grosses minutes. Ok, y a pas une autre entrée quelque part. Par en dessous ici. Ah ici, ok. Oups. Alors, c'est quoi ici? Prémonition 2. Alors, est-ce que par hasard, la prémonition nous fait savoir les comment ça s'appelle ? On va y arriver. Ah, les ah, je vais pas y arriver, hein, les persuasion. Voilà. Peut-être, hein. Alors on pouvait pas lui monter la persuasion. Si. On l'avait pas fait.
Par contre, niveau balle, c'est la dèche. Artefact, du coup. L'artefact. Sur Buran. On va récupérer tout ça rapido, je pense. On en fait encore. On en fait deux pour l'épisode là et on fera les trois autres la fois prochaine. On y est sur le bon. Ah non, on n'est pas sur le bon. Mince. C'est d'à côté. C'est d'à côté. Et du coup, il nous faut le laboratoire de robotique. D'ailleurs, j'y pense, notre vaisseau il a quand même porté année lumière. Là, l'astuce nous disait que la plupart des vaisseaux ne faisaient pas plus de 30. Et là, on n'est pas avec la plupart des vaisseaux, on est avec un vaisseau astrien. De pouvoir faire bien plus que 30 années lumière. Logiquement. Et on va voir. On va quitter. Hop. 30 années lumière, classe A. Ah ouais. On peut déjà aller partout en fait, simplement. On va faire des pauses. Et ben, je me renseignerai pour la prochaine fois en fait les vraies différences entre le New Game Normal et New Game Plus, parce que là pour l'instant il n'y en a pas tellement, à part les pouvoirs niveau 2 et des fois des petits dialogues en plus. Après, ça se trouve, la quête du Blapola c'est pas la même du tout, et c'est pas Run Hop l'ennemi, il y a un autre truc quoi, ça se trouve, c'est pas pareil du tout. Mais bon, ils sont un peu plus costauds. Ça, on l'avait déjà fait vu que c'était toujours aussi bugué, ça. Bon, les tueras. Tambour. C'était un pont, on peut se penser. Merde, t'as vu quoi comme balle, toi? Et un Maelstrom, ok. C'est là toi. Oh bordel. Faut arrêter deux secondes. Hein. Le problème c'est qu'on va très haut, donc on peut pas vraiment spammer le jetpack pour dire de monter de niveau rapido quoi. J'ai un 25 en vrai. Ah, c'était mon dernier. Ah, fuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? Voyons voir, parce que là en fait on est bien notre beau drap. On a un peu plein d'armes déjà, c'est cool. Ok, un casque en plomb, on s'en fout.
Prends. Pas grand chose, hein. Oh. Je cache des précieuses mûnes en plus. Bon, je pense qu'on fera que celui-là pour ce qui est épisode parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Hop. Ouais, hop, voyons voir les swings. Soins, kit d'urgence. Hop, tu me les mets ici. Les kits de soins, tu me les mets là. Et les trousses de soins, tu me les mets là. Oh le pauvre. Balles, c'est cool ça. Regarde-toi maintenant. D'ailleurs, son corps il a été vaporisé en fait. Caisse de munitions, donc j'ai envie de la fouiller parce que ça peut être très intéressant. Balle, c'est toujours cool. Je l'avais vu en plus, hein. J'ai vu la caisse. Et c'est fini. Un truc de fusil à pompe, whisky silencieux, ou un pacificateur on prend vu que c'est un pompe rare. Crédit, bon, une combi on s'en fout, tracé rouge ça se prend, c'est du soin. Après le reste j'en ai un peu rien à foutre. Ouais, allez, on se taille. Crédit, alu, on s'en fout. Lettre de mune ça peut servir. Ah, on a plus d'aligneur, ok. Des lignes, ok. Même si en vrai là tu pètes la vitre et tu peux même récupérer le tambour à travers, on dira rien. Alors. Tu n'es rien, t'es qu'un peu de poussière. Ouais, t'as raison. Allez hop, pour monter, est-ce qu'on peut le faire d'ici? Oui,
il y avait un artefact là aussi. Dis donc. Hop. Bon, oh, le fer, on est à côté, ça a été vite en vrai. Mais du coup, une fois qu'on sait qu'on perd tout, on passe d'univers l'un à l'autre, l'argent n'a plus de valeur. Plus rien n'a de valeur en fait. On devient comme les intrigants, en fait, on s'en fout de tout en fait. Plus rien n'a d'importance. On perd tout à chaque fois. C'est un peu terrible. C'est un peu le mauvais choix qu'il fallait faire en fait. Il va se prendre 30 balles de cette arme là. Partez tout de suite. Un peu de balles. Là. Rogan, allez. Oh, j'ai tiré une balle, on a tiré deux quoi. Sérieux, l'arnaque. Allez, là il y a des mines. Pas que je... Ah, en poste secret, mais dis donc. Ah, c'est encore pour le mantis. Ouais, allez. Dans ce bâtiment-là. Ok. Hop, on va vite monter de niveau les balistiques parce que j'aime pas tourner les autres armes. Voilà. Les armes, je m'en fous, le pistolet, je m'en fous. Ah, les pompes, j'aime bien aussi quand même, mais bon. Voilà, au moins ça c'est fait. On s'en fout de la dernière amélioration. On s'en fout, on s'en fout. On va peut-être prendre le pompe en vrai quand même. Au pire, on remontera de niveau, soit via le code, soit via le truc selon nos besoins en fait. Là, j'ai mis 10 points pour dire de pouvoir justement les gaspiller. De toute façon, le niveau n'a plus d'importance non plus en fait, vu qu'on revient, c'est niveau 2. Des fois, t'as un mob niveau 175, mais c'est 1 tous les 1000 ans. On pourrait venir à bout. C'est juste un peu débile en fait, les niveaux servent plus à rien non plus. Tu vas crever. Le truc important sont les kits de soins. C'est tout. Un orimorphe en devenir. Y'a que les kits de soins et. Bah, une arme pour dire de faire les missions, quoi, c'est tout. Y'a que ça d'important. Les niveaux, plus rien d'importance quoi, vraiment. Faut s'emmerder à fouiller tout si tout va disparaître quoi. Cet endroit me paraît familier. Des crédits, du virium, de l'uranium, on pourra tout vendre de toute façon. Un sac. Bon allez, un petit dernier pour la route.
À partir de cet endroit impossible, ok. D'accord. Ouais, par contre, il n'y a pas eu d'Astrien là cette fois-ci. Par où on va, mais on y va. Hein. Les seuls trucs d'importance, du coup, sont les crédits pour dire de racheter des balles. Les avant-postes n'ont plus de sens vu que tu les perds. Ouais. Et même, je pense pas que si on fait, mettons, 12 New Game Plus, on va attendre 12 fois de refaire un avant-poste pour refaire une arme complètement fumée et puis après repartir. Non. Récupérer une arme à la con, comme là on en a une et voilà quoi. Je pense pas qu'il y aura 12 000 niveaux à chaque fois à passer. Ah tiens, des victimes. Ah, le transfert au nez, c'est un peu bizarre, je trouve. Voilà. Mais non, mais bon loot. Bordel. Récupérez au moins le canard de votre pote. Lui, il est descendu au moins. Bref. En fait, quand j'y pense, il y a la moitié du jeu qui a plus d'intérêt en fait. Une fois qu'on est passé dans le nouvel univers. On peut repartir directement, on va faire L sur Buran. Tac, on va faire G. Tac. Hop, déjà, ça va se faire. Et on va récupérer un peu toutes les munes vite fait. Et là, cartouche laser. On va monter vite fait. On va grimper. Hop, feu. T'as raison, j'ai dû faire feu. Hop, des crédits. Hop, des trucs. Un législateur, ok. Alors, il y avait quoi là? Kit de soins. On n'a pas encore été dans le système Varun non plus, c'est ça qui est intéressant aussi. Hop, 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 vous l'avez vu arriver, moi je l'ai vu arriver, hop, ça au moins le jetpack, il sera utile.
Bien plus qu'avant, parce qu'avant, c'était galère. Vendu ça. Ne file pas, je vous plombe tous. J'ai un truc à 130. Un Urban Eagle à 130. Oh, je vais peut-être prendre ça en vrai. Ah, par contre, du coup, en vrai, on va peut-être augmenter ses armes, on va peut-être augmenter le combat vu que bah y a que ça qui va rester en fait. Parce que c'est bien de scanner, mais ça reste pas. C'est bien de faire des vaisseaux, bon, mais il reste pas non plus. Ça, ça sert tout le temps. D'accord. Ça aussi. Donc, en fait, on a augmenté les deux qui ne servaient à rien. De tout début, depuis le début, quoi. Donc on va aller voir ça. Démolition, on s'en fout. Arme lourde, on s'en fout. Arme M, on s'en fout. Rayon de particules, on s'en fout. Les fusils augmentent 10 de dégâts de plus. Encore 10 de dégâts, et après il y a quoi? Ça ne fait que commencer, ha! Hop! Ah, c'est pas la porte, ok, j'ai plus d'aligneur. Le canon, Guillermo 12. On s'en fout un peu de ça. On a cru entendre quelqu'un, mais. Peut-être de la foi, à mon avis. Est-ce de la persévérance ou de la conscience? Pour toi, c'est de la conscience de m'attaquer. Oh, vous savez quoi? Voilà! Ah, c'est pas grave. Le premier truc qu'on fera la prochaine fois, ça sera de... d'en récupérer des autres artefacts, parce que là... Là-bas. En fait... On va lire les messages rapido, et après on va s'arrêter là. Alors, les notes... On a ça... Ok... Le Grunt 16, c'est un magazine qu'on avait récupéré. Ok. On l'avait déjà vu. À l'attention de la flotte écarlate. Ici Delgado. Vous vous êtes répondu aux quatre coins des systèmes occupés, comme convenu. Continuez comme ça. La Confédération Liberastra, l'Union Coloniale, ils croient que la galaxie leur appartient. Ils ont tort. Elle appartient au peuple libre de la flotte écarlate. Elle nous a toujours appartenu. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous revient de droit. Et nous retournerons leur égoïsme et leur arrogance contre eux. Les plus vieux d'entre vous se souviennent de la guerre coloniale. Ils se souviennent comment ces imbéciles se sont entretués pour rien. Ils ont construit des bases partout. Des bases qui sont encore là, intactes et abandonnées. Qui attendent que quelqu'un vienne s'en emparer et s'y installer. Ce quelqu'un, c'est la flotte écarlate. Allez! Prenez possession de leurs installations et portez la guerre jusqu'aux portes de leur territoire. Ok, on s'en fout un peu. Écoutez-moi bien, bande de larves. Les connards sont en mouvement et on doit se tenir prêts. Je parle pas de Lucé ou de Liberastra cette fois. Je parle des vrais chieurs. Les pirates, les mercenaires et les illuminés avec leurs serpents à la con. On savait depuis longtemps que la guerre coloniale avait laissé beaucoup d'infrastructures derrière elle. Des bases, des labos, des trucs comme ça. Mais on vient d'apprendre qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on croyait, répartis partout dans les systèmes occupés.
On dirait que les deux grands avaient décidé que tous les coups étaient permis pendant la guerre. Et maintenant, c'est un putain de festin. Tout le monde essaie de les trouver pour s'en emparer. Pourquoi pas nous? On en a autant le droit qu'eux. Alors on chasse. Ok. On n'est pas là. Ah si, là, en poste secret. Voilà. Du coup, on a à nouveau la tablette pour Mantis, mais bon, ça, on s'en fout. Bon, on va se taper au vaisseau, on va y aller directement et... Hop, on a fini pour aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous aura plu. Bon, je suis assez dubitatif un peu sur la suite de l'aventure. Il y a intérêt d'avoir des trucs intéressants dans pas trop longtemps, parce que si c'est que refaire la même chose en boucle... Maintenant, il y a la moitié qui sert plus à rien. Ça me paraît un petit peu limite, quoi. Ah bon, on verra. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, une connerie, et voilà. C'est donc une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Bye!